Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Jusqu'au 15 octobre, vous pouvez découvrir le 91e Salon d'Art d'Étampes. On va en parler aujourd'hui avec Daniel Berkovitch. Bonjour, vous êtes le président de la société artistique d'Étampes et donc l'exposition est à découvrir jusqu'au 15 octobre à l'espace Jean Lursa à Étampes. Cette année, c'est la 91e édition. Comment et pourquoi est né cet événement ? Bon, déjà, merci de me recevoir. Comment est né cet événement ? Eh bien, il est tradition pour la société artistique d'Étampes d'organiser deux salons par an, le salon des œuvres sur papier et le salon d'art. Et donc, nous sommes dans la continuité des années précédentes. Et simplement, nous essayons chaque année de faire grandir ce salon, de lui donner de plus en plus de notoriété. Alors, est-ce que l'art, par rapport à il y a 91 ans, est-ce que vous estimez que l'art a encore aujourd'hui un intérêt pour les citoyens ? Alors, je pense que oui, bien sûr, oui. Et nous sommes, l'un des buts, je dirais, de la société artistique d'Étampes et du salon en particulier, c'est de faire découvrir au plus grand nombre l'art, et l'art, les arts plastiques en l'occurrence. Hein. Et nous avons une mission, je dirais, à la fois de montrer l'art à comment il se présente, mais aussi de permettre aux gens aux habitants des temples, qui ne sont pas très familiers, qui ne vont pas voir avec l'art, qui ne vont pas voir des expositions, de pouvoir avoir l'occasion à Étampes d'avoir un grand salon dans lequel ils vont découvrir de multiples facettes des arts plastiques en peinture et en sculpture. Alors, l'exposition est organisée donc dans le cadre de la saison culturelle de la ville d'Étampes. C'est aussi le moyen pour vous et votre association d'être valorisés justement sur le territoire. Bien sûr. Nous considérons que ce salon est un événement et en plus nous avons l'ambition et je pense qu'on a plus ou moins réussi de faire que ce salon ne soit pas seulement qu'un salon étampois mais qu'il ait une envergure à la fois régionale et je dirais même nationale, parce que d'année en année, nous avons fait en sorte que des artistes parisiens et de province et même de l'étranger de loin viennent. Et du coup, ce salon a une certaine renommée. Et je pense que cette renommée retombe aussi sur la vie culturelle d'Étampes. Et que peut-on découvrir donc lors de cette exposition ? Eh bien, en fait, vous allez découvrir des artistes, bien évidemment, de nombreux artistes, à peu près plus de 80 artistes qui viennent d'horizons différents. Donc la spécificité du Salon d'Étampes, c'est une ouverture, en fait. Une ouverture à la fois, artistique, puisque nous proposons... En fait, la tendance, et moi en tant que président, et avec le précédent président Jean-Louis Joux, vous avez reçu l'année dernière, c'est d'ouvrir l'art, le Salon d'Étampes, à ce que j'appelle l'art actuel. C'est-à-dire l'art actuel, c'est l'art tel qu'il est enseigné dans les écoles d'art et diffusé à travers les réseaux sociaux. L'exposition est accessible de 15h à 18h du lundi au vendredi et de 14h à 18h le week-end. C'est ça. L'entrée est libre, c'est donc un événement qui se veut culturel, familial et ouvert à tous. Exactement. Encore une fois, je dirais que un mot qui pourrait caractériser le Salon d'Étampes, c'est son ouverture. Ouverture artistique, ouverture géographique, ouverture à différents publics. Hein. Et justement, depuis plusieurs années, on remarque que l'art est ouvert de plus en plus à tous les publics. Avant, on avait cette impression-là que l'art était presque élitiste. C'est une idée que vous combattez, justement. Ah oui, bien sûr. L'art n'est pas élitiste. Ah non, bien sûr qu'il n'est pas élitiste. Alors, c'est vrai qu'en proposant des artistes une certaine proportion, puisque, encore une fois, c'est une ouverture, hein, une certaine proportion d'artistes qui viennent de l'art actuel, peut-être c'est une approche un peu plus difficile. Je veux bien faire la différence entre art actuel et art contemporain. Le Salon d'Étampes n'est pas un salon d'art contemporain. Mais en proposant ce genre d'œuvre, nous avons la prétention, effectivement, de faire connaître au public étampois d'autres formes d'art. Et je dois dire qu'en plus, on va essayer de les inciter à s'y intéresser, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et du coup, une des nouveautés de cette année, c'est de faire des rencontres artistes publics après le vernissage. Alors, deux invités d'honneur seront présentes. Qui sont-elles et pourquoi les inviter à cette exposition ? Alors, qui sont-elles ? C'est d'abord, ce sont deux femmes, c'est toujours remarquable, c'est très bien. C'est Annie Lunardi, qui est peintre et dessinatrice. Et Juliette Frescaline, qui est
sculpteur ou sculpteuse, comme on veut. Et quelles sont vos attentes par rapport au 91e salon d'art d'Étampes ? Est-ce que chaque année, il rassemble beaucoup de monde ? Eh bien, on espère avoir encore plus de monde que les autres années. En gros, on attend à peu près 1 millier de visiteurs. C'est une moyenne, c'est une estimation, auquel s'ajoutent 1 000 élèves des écoles d'Étampes. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, parce que c'est aussi l'ouverture vers le jeune public et la découverte de l'art. Et je pense que beaucoup d'élèves sont très friands de ça. Et on espère peut-être faire découvrir des vocations à certains élèves qui découvriront le salon durant les ateliers pédagogiques qui ont lieu dans le salon. Et est-ce que ces élèves pourront notamment échanger avec les artistes donc, qui exposent ou avec les artistes, enfin les invités d'honneur ? Alors, pour les jeunes élèves, ça sera plus difficile, parce que les jeunes élèves visitent le salon en semaine avec leurs professeurs, avec leur maître. Et donc, dans semaine, les artistes ne sont pas présents. Donc là, ça sera plus difficile. Mais par contre, on compte sur les maîtres et les professeurs pour leur donner plein d'informations et les faire... Ils dessinent aussi. Hein. Souvent, il y a beaucoup d'élèves qui dessinent pendant le salon. Et donc, l'ouverture vers les œuvres se fait à travers les professeurs, et les maîtres. Et une bonne façon de remettre l'art au goût du jour. Tout à en fait. En septembre dernier, votre association a reçu le prix de la culture décerné par la municipalité d'Étampes. Que représente ce prix pour vous ? Ah bah c'est très, très honorifique. Hein. Nous sommes vraiment comblés d'avoir reçu ce prix. Et c'est une reconnaissance de la municipalité d'Étampes qui, je dois le dire entre parenthèses, fait beaucoup pour le salon. Hein. Elle nous aide beaucoup au niveau logistique. Et le salon d'Étampes ne serait pas ce qu'il est si il n'y avait pas toutes les infrastructures que met à nos dispositions la municipalité. Et donc, nous la remercions très chaleureusement pour cette médaille. Ça nous a fait vraiment plaisir. Vous estimez que Étampes et son territoire est force de proposition en termes de culture ? Ah oui, je crois qu'il y a pas mal d'activités culturelles. Hein. Bah, moi, j'habite pas Étampes, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de manifestations. Hein. Oui. Alors, on va parler de votre association. Oui. Quels sont vos objectifs au quotidien ? Alors, notre association, comme vous le savez, c'est une association qui date de 1925. C'est donc une association très ancienne. Au cours de l'histoire de cette association, les objectifs ont toujours été... L'objectif a toujours été de répandre la culture des arts plastiques auprès de la population. Après, ça s'est fait sous différentes formes, sous forme de salons, sous forme de création d'ateliers, sous forme de participation, par exemple, aux Journées du patrimoine. Et donc, nous insérons dans le panel culturel de la ville. Alors, le Salon d'art d'Étampes, maintenant, c'est la 91e édition. Donc, c'est vraiment un événement qui perdure, qui s'est pérennisé au fil des années. On peut encore vous souhaiter des dizaines et des dizaines de salons d'art. On espère bien. Donc, dans 2 ans, ça sera la célébration du 100e salon. Et on espère que ça va continuer et que ça va continuer dans la voie. Dans la voie d'ouverture qu'on s'est donnée. On essaye comme vous avez compris, on essaie de se démarquer un peu des salons et d'avoir une envergure, une belle envergure, peut-être pas nationale, mais au moins régionale et même parisienne, hein, puisqu'il y a pas mal d'artistes parisiens qui viennent participer à notre salon. Et qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans l'art ? Est-ce que vous êtes vous-même artiste ? Alors, je suis moi-même artiste. Je suis peintre. J'ai exposé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à la salle Anne de Pisleu. Une remarque, c'est que pendant le salon, il y a un espace dédié à une technique. Cette année, c'est la sérigraphie. Donc, il y aura 6 artistes qui vont exposer en sérigraphie. Et moi-même, je suis sérigraphe. Hein. Donc, j'exposerai donc aussi à ce propos-là. Et bien sûr, pour moi, l'art, c'est très, très important. Hein. C'est une ouverture sur la vie. C'est un délice. Hein. Voilà. Quels sont les autres projets et événements que vous organisez tout au long de la saison culturelle au sein de votre association ? Alors, donc... Principalement, c'est le salon d'art d'Étampes qui a lieu dans quelques jours. Mais il y a aussi une autre manifestation auquel on tient beaucoup. C'est le salon des œuvres sur papier qui se tient à la salle Anne de Pisleu et qui ne réunit des artistes ne s'exprimant que sur le papier, ce qui donne une spécificité. Et c'est un salon, il n'y a pas tant de salons de ce type-là. Donc ça, on pourra vous recevoir pour parler justement oui, de ce salon. Merci beaucoup, d'accord. Daniel Verkovic, d'avoir Merci été beaucoup. Avec nous sur Sensation. Merci.
Je rappelle que vous êtes le président de la société artistique des Tempes. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site art-etempes.com ou sur votre Facebook et Instagram, Société Artistique des Tempes, tout simplement. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.